Nous sommes ensemble pour 2 heures et en direct pour vous donner la parole sur toutes sortes de questions que vous vous posez, sur comment sortir de vos impasses ou tout simplement pour témoigner et partager ce qui vous agite. Toute notre vie est faite de transitions, de changements, de nouvelles étapes à parcourir. Nous devons sans cesse nous adapter à ce que la vie nous demande ou nous impose. Et parfois, certaines réalités sont difficiles à appréhender ou à vivre, tout simplement. Que voulons-nous de la vie? Qu'est-ce que la vie veut pour nous? Comment vivre cette transformation au mieux avec le plus de conscience possible au service de notre évolution? Comment distinguer ce que nous dit notre ego, souvent animé par la peur du changement et la recherche d'une sécurité illusoire bien que compréhensible, et ce que demande notre âme et notre cœur aussi? Parfois, nous sommes face à des choix de vie qui nous engagent et nous manquons de clarté et avons besoin d'être accompagnés ou soutenus pour nous éclairer. C'est ce que je vous propose ici, dans cette libre antenne, de vous éclairer, de vous accompagner, de vous soutenir. Appelez-nous au standard, au 3921. Vous serez accueillis ce soir par Quentin et Corentin, sous l'œil attentif de Nicolas, qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS ou nous adresser un mail sur europe1.fr. 3921, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Voilà, bah écoutez, moi je suis un peu ennuyée. Oui. Ça peut paraître très anodin, très bête. Je rigolais il y a encore 2 mois. Oui. Bon, j'ai les 2 pieds en très mauvais état. Et je crains vivement, je crains fortement de devoir me faire opérer. Mmh. Et je m'en fais un monde. Ouais. Alors, je suis de tempérament très anxieux. Je me fais suivre dans un CMP à côté de chez moi depuis pas mal d'années. Voilà, donc je me sens seule. Je ne sais pas, à la suite de cette opération, qui n'est pas très simple parce que j'ai aussi des problèmes de côlon, enfin, de sommeil. Vous voyez, c'est rien. Ouais. Voilà, c'est un peu difficile. Et j'appréhende beaucoup. Je sais que ça peut paraître bête, mais... Non, il n'y a jamais rien. Voilà, c'est ce qu'on vit voilà, qui nous pose problème. Et en soi, pour vous, c'est aujourd'hui une anxiété. Est-ce qu'elle est programmée déjà, cette opération? Parce que vous avez dit que c'était envisagé, mais ce n'est pas encore décidé. Voilà. Alors, oui. Je ne pense pas pouvoir rester comme ça, parce que déjà, j'ai beaucoup de peine à trouver une paire de chaussures... puisse m'aller, parce qu'il faut se chausser large, c'est rouge quand même, l'oignon, comme on dit. Et j'ai un souci aussi, parce que en fait, j'habite la capitale, mais j'ai un peu de famille à Lyon. Oui. Et je me dis, est-ce que je peux aller chez cette personne? Est-ce que je ne vais pas lui retransmettre mon anxiété? Ou est-ce qu'il ne faut pas tout simplement que j'aille dans un établissement? Mais le problème, c'est que Valgus n'est pas considéré comme très grave, bien que ce ne soit pas simple à gérer après l'opération. Oui, c'est vrai. Alors, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux que je me rapproche un peu de ma famille? L'idéal pour moi, ce serait de partir dans un établissement où là, justement, je chasserais un peu, entre parenthèses, mon anxiété. Et je me sentirais peut-être plus en sécurité. Oui, plus en sécurité. Parce que c'est vrai que c'est une opération, l'Alus Valgus, qui a fait énormément de progrès en l'espace de 15-20 ans. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'anxiété dans tous les cas sortis à cette opération, parce qu'avant, bah, c'était assez douloureux, c'était long en termes de complications, de rééducation. Un pied, c'est important, hein, on en a besoin pour marcher, bien entendu. Mais oui. Et qu'aujourd'hui, c'est très très bien maîtrisé. C'est même fait, alors j'imagine que le chirurgien a dû vous expliquer, c'est fait en ambulatoire, c'est-à-dire vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Voilà, il y a une infirmière qui vient faire un pansement et la rééducation est assez rapide, en fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une intervention qui est, encore une fois, je vous le dis, vraiment bien maîtrisée. Alors que vous soyez un peu anxieuse, mais c'est un moindre mal par rapport à la gêne, j'imagine, que vous avez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous devez avoir du mal à marcher, ça doit être douloureux pour vous, non? Non, je ne sais pas à ce stade. Non, d'accord. Là, ça a beaucoup. Là, j'ai passé un mois de mai, vraiment, je vous dis, bon, je suis très anxieuse, ça c'est sûr. Oui. Et là, je ne pourrais pas trop rester comme ça. Et je pense que l'opération, il faudra la faire.
Mais bon, j'ai des petits problèmes annexes, je dors mal, j'ai mes habitudes. Je crois que quand on se fait opérer de l'anus, il faut avoir la jambe droite, enfin bon, sur élevée. Vous voyez, tout ça, Surélevé, c'est. oui, c'est pour limiter l'œdème et la douleur. Effectivement, c'est surélever les pieds du lit ou avoir un pied sur un tabouret dès qu'on est assis. Enfin, oui, surélever le pied, effectivement, pendant la convalescence. Mais bon, ça Mais vous est-ce que inquiète, vous. par exemple? Oui. Ben, tout ça m'inquiète parce que ça me. Moi, j'ai 62 ans, Oui. j'ai mes habitudes, Oui, je dors c'est ça absolument vous pas le pied change. levé. Et alors, bon, voilà, puis après, les suites, bon, pour se laver, c'est un peu la galère. Oui, tout ça Et, vous bon, je inquiète dis, moi, beaucoup. j'ai des problèmes de transit importants, donc le fait de plus marcher, ça va peut-être pas améliorer bien les choses. J'ai fait deux diverticules qui m'ont fait aller à Pompidou, là, au mois d'octobre-novembre. Enfin, bon. Donc, il y a certains médicaments que je ne pourrais peut-être pas trop prendre. Oui, il Et faudra je ne vous sais. bouger de toute façon, hein. Il faudra bouger Comment? pour la rééducation. Oui, vous n'allez pas rester alité sans bouger. Au contraire, il faut commencer à bouger les orteils, puis mettre le pied par terre. Enfin, tout ça est assez rapide. Mais ce que je comprends mieux, c'est qu'en fait, vous en faites un monde parce que vous craignez de déranger quelque chose dans lequel vous avez trouvé une sécurité aujourd'hui. Ben oui. Oui, c'est ça. C'est Est-ce que que. vous pensez que ce serait mieux que j'aille dans un établissement plutôt que d'aller chez une sœur qui risque d'en avoir, je dirais entre guillemets, marre de moi au bout de Mais 15 jours, 3 vous vous semaines? entendez bien avec votre sœur? Oui, je Oui. m'entends bien, mais elle est un peu boum boum, elle est un peu. Donc. Vous pensez qu'elle risque enfin, que ça vous stresse d'avoir le sentiment de la déranger, elle aussi, et d'être chez elle? Vous avez Oui, l'air de je me sais dire pas. que vous vous sentiriez mieux dans un établissement. C'est possible d'aller dans un établissement après l'opération? Alors, c'est très dur. Moi, j'ai une lettre du CMP qui me conseille vivement de partir dans un établissement et une lettre Ah. de mon médecin. Ah, donc Mais. tous les deux vous conseillent pour justement vous aider à gérer votre anxiété. Oui, Oui. exactement. Mais je pense que c'est important de les écouter parce qu'ils vous connaissent bien et que si le CMP et votre médecin vous conseillent la même chose, peut-être que ça risque de créer des tensions inutiles avec votre sœur parce que plus anxieuse. Vous allez peut-être vous inquiéter, voilà, de la déranger, elle va pas savoir. Bon, ça peut peut-être créer des tensions. Si votre médecin, à la fois vous me dites votre médecin plus le CMP vous conseille et que c'est possible avec une recommandation, ça me paraît être effectivement une bonne solution pour vous. Oui. Reste à savoir par contre si je vais être prise dans un établissement parce que, effectivement, comme vous disiez, pour une personne normale, ça ne pose pas trop de problème. Moi, j'ai une voisine du dessous, ça s'est bien passé. Mais bon, il y a quand même des gens qui ont des complications. Oui, j'ai envie de vous dire oui. Alors avec votre anxiété, on peut imaginer toujours le pire, mais des complications, il peut y en avoir malheureusement partout. À chaque fois que, bah oui, on prend toujours un risque, mais vous courez sans doute un plus gros risque à ne rien faire parce que ça va pas aller en s'améliorant et ça risque de devenir de plus en plus douloureux pour vous. Mais les gens, en général, quand ils sont opérés, vous pensez qu'ils c'est pas une grosse intervention. Non, pas du tout. Maintenant que c'est fait en ambulatoire, je vous dis, vous rentrez le matin, vous sortez le soir, et vous n'avez pas d'anesthésie générale, c'est une anesthésie locale. Oui, exactement. Oui. Donc bon, c'est pas considéré comme une grosse intervention. Mais enfin, il faut faire attention pour la phlébite, piqûre, pendant une semaine. C'est Oui. pas. Mais là, vous êtes suivi après. C'est-à-dire que, effectivement, pour les risques, ben, on vous refait marcher assez rapidement. Vous allez reprendre de la rééducation des orteils. Enfin, tout ça après se met en place pour vous. Parce que c'est surtout la douleur que vous risquez d'avoir en ne faisant rien. On ne sent rien, oui. Oui, ben oui, en ne faisant rien. Là, aujourd'hui, vous dites que vous souffrez pas tant que ça, c'est ça? Non, parce que ça s'est déclenché il y a 2 mois, mais je peux vous dire qu'au mois de Ah. mai, je voyais, je me suis dit, là, je revenais de Lyon
Il y a un mois, je me suis dit, je ne sais pas si je vais pouvoir repartir. Vous voyez, je me suis fait un monde, hein. Donc, qui est D'accord. peut-être un peu exagéré, c'est peut-être Parce ce que que, vous pensez. ouais, non, pas du tout. Je me demandais si, mais ça, c'est votre médecin qui vous le dira, si il n'y a pas une rééducation du pied qui peut éviter éventuellement l'opération. Est-ce que ça ne peut pas se traiter en amont? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il fallait plutôt vous faire opérer? Quel est l'avis des médecins? Ben, moi, l'avis, c'est que j'ai déjà été voir dans une clinique à Lyon, où j'ai une amie qui s'est fait opérer, Oui. mais qui a eu des ennuis, elle, hein. Oui. Et donc, et qui est une personne très fiable, ancienne infirmière, et elle m'a dit, si, il faut le faire opérer, il faut faire opérer. J'ai même pu comprendre que j'avais trop attendu. Et dans son compte-rendu sur le mail, elle mettait que, bon, c'était pas urgent. Mais je pense que mon pied, quand même, le gros orteil, pousse l'autre et je suis d'un côté qui est parti en griffe. Donc, c'est pas très beau, vous voyez. Oui. Et là, il est à 34 degrés, donc, de déformation. Oui. Et eux donc conseillent que ils conseillent l'opération dans ce cas-là, en Oui, cas de grande, il d'accord. conseille l'opération. Vous Alors. savez, quand vous allez voir un chirurgien, en général, bon, moi, je sais pas, hein, mais bon, il conseille toujours d'opérer, hein. Enfin, je ne sais pas. Une Non, question. pas forcément. Puis là, vous dites que vous avez vu quelqu'un qui vous a donné, vous avez eu plusieurs avis, vous n'avez pas eu qu'un seul avis ici. Là, j'ai eu un autre avis aussi sur Oui, Paris. oui. Donc, le même topo, hein, et pas urgent, mais à faire. Donc. D'accord, à faire. Bon, et pas urgent. Ouais. Encore une fois, c'est une intervention assez bénigne, parce que c'est une intervention qui dure entre 20 et 30 minutes, hein, donc c'est pas quelque chose de très lourd en termes opératoires. Alors, vous savez, Chantal, on va prendre à l'antenne Émilie, Émilie qui a été opérée, je crois, et qui justement voulait rentrer en contact avec vous, qui va vous rassurer. Vous êtes là, Émilie? C'est gentil. Oui, je suis là. Oui, bonsoir, Émilie. Alors, Bonsoir. je crois, Émilie, que vous avez été opérée relativement récemment, c'est ça, d'un anus valgus? Oui, je me suis fait opérer en février et en mars. En fait, j'ai fait les deux pieds à un mois d'intervalle. Oui, et vous êtes toute jeune, j'entends, Émilie, vous avez quel âge? Oui, j'ai 25 ans. 25 ans, Oh d'accord. là là. Et alors, Et en fait. qu'est-ce que vous pouvez dire à Chantal, là, qui a besoin d'être rassurée ce soir? Bah, moi, je regrette vraiment pas d'avoir fait ça. Enfin, j'avais un peu peur aussi juste avant de faire l'opération, mais Oui. maintenant, enfin, je regrette pas. Enfin, là, mon dernier pied, je l'ai fait en mars, et là, depuis un mois, j'ai repris la course à pied. Enfin, donc, je regrette vraiment pas quoi. Enfin, Et vous aviez peur j'ai de quoi, justement, bah avant? d'avoir mal, d'être immobilisée. Oui, comme Chantal, donc, ouais. Voilà, Et mais au final, bon. Pardon. Allez-y, Vous Chantal, avez oui. été immobilisé combien de temps après l'opération? Parce qu'on a un gros pansement. Alors, j'ai été immobilisée un mois par pied. Ah oui, c'est ça. Hein. Mais immobilisé total ou en marchant un peu avec de la rééducation, comment ça se passe? En fait, j'avais une chaussure de décharge, en fait, donc je pouvais marcher. Bon, je ne pouvais pas non plus faire des kilomètres et des kilomètres, mais je pouvais aller dans les commerces de proximité, etc. Donc, Ah bon? oui, enfin, voilà, c'est vivable. Ouais, d'accord. Et l'activité normale, c'est après un mois à peu près, c'est ça? Oui, voilà, en général, c'est après un mois. Ouais, d'accord. Et vous l'avez fait parce que vous souffriez avant? Ou c'était plutôt sur un plan esthétique ou... Non, c'est parce que je souffrais. En fait, moi, j'étais déviée à 48 degrés et à 38 degrés. Et Oui. bah, je ne pouvais plus me chausser, j'avais très mal aux pieds. Enfin, et c'est D'accord. vraiment parce que c'était plus possible. Oui, c'était plus possible. D'accord. Et vous n'aviez pas pensé à la faire avant parce que 48 degrés, ça fait beaucoup. Bah, en fait, tant que ça fait pas mal, ils veulent pas opérer, et surtout les personnes jeunes comme moi, ils veulent pas opérer quand ça fait pas D'accord. très mal, en fait. Oui, parce que ça ne peut pas D'accord. se traiter sans opération. Justement, il n'y a pas des traitements en amont. Ah non, non, pas du tout, Non. non, 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 c'est ça. tout. Oui. Et j'ai fait ça, en fait, en anesthésie, en ambulatoire, en fait. Oui, Donc, c'est je suis ça. rentrée le matin et je suis ressortie le soir chez moi. D'accord. Et vous Et vous avez pouviez. pu vous débrouiller seule pour les repas, pour la toilette, tout ça. Pour la toilette, oui, je me suis débrouillée seule. Après, il y avait, enfin ouais, il y avait quelqu'un de ma fa famille qui venait m'aider les 2, 3 premiers jours, mais j'aurais pu me débrouiller toute seule. Enfin voilà, moi j'allais faire mes courses, etc. Donc ça posait pas Avec la de chaussure soucis quoi. d'appoint. Comment? Avec la Avec la chaussure chaussure, la d'appoint. fameuse chaussure, ouais.
Oui, voilà, c'est pas très esthétique, mais au final. Et la nuit, pour dormir, il faut avoir la jambe surélevée. Oui, c'est ça, en fait, je mettais des cales sous mon lit. Oui. Et qu'est-ce que vous conseilleriez, Émilie, à Chantal qui hésite entre aller chez sa sœur ou être plutôt entourée, suivie, bon, elle est plus âgée que vous, hein, Chantal, dans une maison médicalisée? Non, moi, enfin, personnellement, à la limite, aller chez sa sœur, c'est très bien. Enfin, parce que c'est sûr que les premiers jours, elle va pas être très en forme, mais moi, j'ai pas ressenti le besoin d'aller en maison médicalisée. Hein. Mmh. Oui, mais parce que vous êtes toute jeune et que ce n'est pas le problème d'anxiété que j'ai. Oui, voilà. Après, il y a aussi ça. Mais après, il nous donne beaucoup de calmants et tout ça. Donc, au niveau de la douleur, on ressent rien. Ouais. Oui. Oui, donc vous en avez quoi? Profiter pour lire, regarder des séries Voilà, c'est ça. L'actualité, me refaire les séries, etc. D'accord. Est-ce que après, vous avez eu des séances de rééducation, de revoir le chirurgien régulièrement? Que ça, alors, j'ai eu 9 séances de kiné par pied. Donc, oui. Il y a de l'auto-rééducation aussi. Le kiné nous fait voir les gestes à adopter. Et après, j'ai revu le chirurgien deux fois. D'accord. Deux fois. Et vous l'avez faite sur Paris, l'opération? Oui, je l'ai faite sur Paris. Ouais, sur Paris, dans une clinique privée. Bon, il y en a plein. Bon, Chantal, ça a pu vous rassurer d'entendre Émilie ce soir à l'antenne ? Bien sûr, ouais. Sophie. Ouais, formidable. Bon, bah, écoutez, merci Émilie de nous avoir appelé et d'avoir rassuré Chantal. Merci beaucoup Émilie. De rien, bonne soirée. Merci à vous, au revoir Émilie. Bah, écoutez, on tâchera de faire au mieux. Oui, Chantal. Et effectivement, vous vous connaissez bien, donc si vous pensez que vous serez mieux en maison, et puis en plus qu'à la fois au CMP, le psy que vous voyez et votre médecin traitant pense que c'est bien pour vous, écoutez-les, faites leur confiance là. Je crois, oui. Ouais. On vous laissera aussi le numéro de téléphone hors antenne d'une auditrice qui a également eu cette opération d'analyse valgus. Et comme ça, vous pourrez rentrer en contact avec elle. Ça vous donnera un autre avis, Chantal. D'accord. C'est très gentil à vous, Sophie. Merci de nous avoir appelé, Chantal. Hein, et bon courage à vous, alors. Vous nous tiendrez au courant. Hein. C'est gentil. Au revoir. Oui. Allez, au revoir, Chantal. Au revoir. Timberlake sur Europe 1, Can't Stop the Feeling. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Patrick. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Oui. Tout d'abord, merci de m'avoir sélectionné pour passer ce soir à l'antenne. Mais bon, je suis un peu mal, donc c'est pas toujours facile de pouvoir parler. Oui, de pouvoir commencer, oui. Tout à fait. Je suis tellement... pas bien. Alors, qu'est-ce qui vous met si mal, Patrick, justement? Alors, ce qui me met si mal, c'est qu'enfin, ça ne devrait pas me mettre mal, mais j'ai rencontré quelqu'un. Entre ce que ça devrait faire ou pas, ça, on ne peut pas toujours. Oui. Donc, en fait, j'ai rencontré une personne et j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre, je crois, terrible. Oui. Et bon, le fait est, c'est que, bon, moi, je suis un garçon, j'aime un petit peu autrement, puisqu'en fait, j'aime plus les garçons que les filles. Oui. Et donc, c'est jamais facile de pouvoir rencontrer quelqu'un, quoi. Si j'étais dans la norme, ça serait peut-être plus facile pour moi. Vous pensez aujourd'hui? Oui, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas trop. Et donc, en tout cas, quelqu'un qui vous plaît, ce n'était pas si évident pour vous, c'est ça? De croiser quelqu'un qui vous plaît vraiment, hein, c'est ça? Oui, des gens, Oui, voilà, c'est un peu ça, oui. Oui. Ouais. Et là, j'ai rencontré une personne. Et donc un coup de foudre, oui. Un coup de foudre absolu, mais ce n'était vraiment pas parti pour que je rencontre cette personne, en fait. Et, Ah, c'est souvent comme ça. Oh, mais alors là, je vous ai passé. Bon, ben, je vais essayer de vous retracer un petit peu l'histoire dans les grandes lignes, en fait. Donc, en fait, bon, pour faire très court, au mois de novembre, j'ai fait l'acquisition d'un appartement. Oui. Dans cet appartement, il fallait tout refaire. Enfin, bon, voilà. Et puis, une fois que les travaux ont été finis, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'eau dans l'appartement. Donc, je me suis tourné vers mon syndic. Oui. Et donc, on m'a communiqué l'adresse du syndic. Et pour la première fois de ma vie, je suis parti dans ce syndic. Mmh.
Et donc, j'ai expliqué que j'avais pas d'eau. Et donc, on m'a présenté une personne. Et quand la personne s'est présentée à moi, c'est... Ah oui, tout de suite, ah voilà, oui. Foudroyé, hein, c'est le coup de foudre. Ouais. Mais oui, la propriétaire, ouais. Elle m'a dit, vous êtes nouveau copropriétaire. J'ai dit oui. Et donc, elle m'a dit, bah, patientez. Je vous appelais la personne. Et quand la personne est descendue des escaliers, là, j'ai dit... Ouais. Voilà, j'ai dit... Je ne sais pas, parce qu'il n'est pas spécialement... Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Patrick. Ce n'est pas une histoire de « il est beau, pas beau », c'est... Je ne sais pas. Ah, ouais. il est magnétique. Enfin, il a une voix qui me berce. Il est doux, il est calme. Il est... Ça, c'est bon. Et donc, la première fois, j'ai été très troublé. Mais, enfin, voilà. Et donc, bon, il m'a expliqué comment... J'essaie de faire très court. Il m'a expliqué comment remettre l'eau dans mon appartement. Ouais. En fait, j'écoutais pas vraiment ce qu'il disait, quoi. En fait, j'écoutais pas trop. Et bon, je suis parti chez moi pour essayer de mettre l'eau. J'y suis vraiment pas arrivé parce qu'en plus, je suis pas bricoleur. Donc, le lendemain, je suis retourné à l'agence. Et il m'a dit, vous y êtes pas arrivé. Ben, j'ai dit, non, je suis pas arrivé. Et donc, il me dit, mais donc, il y a des petits signes qui, en fait, m'ont fait penser qu'il pouvait être gay, en fait. Parce qu'il m'a dit, votre copain ne sait pas remettre l'eau, mais on ne se connaît pas. Pourquoi il n'a pas dit ma copine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Bon, oui, j'ai trouvé ça un peu... Bon, pas grave. Donc, j'ai dit, non, je suis célibataire, de toute façon. Voilà. Et puis, mon ancien copain, de toute façon, voilà, quand je suis seul... Bon, et donc, il fait des grands sourires. Il est charmant, enfin, un charme fou. Et donc, il s'est proposé de venir à l'appartement pour remettre l'eau. Donc, il est venu à l'appartement, il a remis l'eau, il m'a montré tout ça, et puis c'est ridicule, hein, mais je suis tellement, tellement sous le charme que j'étais dans un état second quand quelqu'un est venu, c'était incroyable. Donc, en fait, je m'étais promis, je voulais l'inviter à prendre un verre pour le remercier, même si c'est mon syndic, et puis finalement, face à lui, j'ai perdu tous mes moyens, je suis pas arrivé à lui. Je suis pas arrivé, j'ai rien dit du tout à part le remercier 100 fois, c'est tout ce que j'ai pu faire, Sophie. Et donc, l'après-midi, il est venu le matin, l'après-midi, j'ai dit, c'est pas possible, t'as tout raté. Donc, je suis reparti au syndic pour essayer de l'inviter à prendre un verre. Je suis reparti exprès, c'était assez délicat et assez périlleux. Donc, il m'a reçu et puis, bon, il a été très gentil avec un peu d'humour. Il me dit, ne me dites pas que vous avez à nouveau pas d'eau dans l'appartement. Non, pas du tout. Pas du tout, je ne viens pas pour ça. Il m'a dit, je vous écoute, mais je ne peux pas vous parler, je pourrais vous parler en privé. Donc, on est monté dans son bureau et il m'a dit, je vous écoute. Et puis, à nouveau, je n'ai pas pu lui dire, face à lui, je perds mes moyens, je n'ai pas pu lui dire pourquoi j'étais venu, quoi. Et donc, j'ai inventé n'importe quoi. J'ai dit que la clé de l'entrée ne marchait pas. Comme il est gentil, il a été me chercher un double de clé. Enfin, bon, je passe l'histoire. Moi, j'essaie de mettre les clés la clé sur le porte-clé. J'ai cassé le porte-clé devant lui. Enfin, il m'a dit pourquoi vous êtes si nerveux. Enfin, je me suis fait remarquer. Hein. Et puis, au moment de partir, je me suis enfin décidé de dire est-ce que je pourrais vous inviter à prendre un verre. Et j'ai dit mais si vous finissez tard, je peux vous attendre jusqu'à minuit. Ça me pose aucun problème. Et il a été très surpris. Et puis, il m'a dit c'est très gentil avec un grand sourire. Alors là, je touchais plus terre. Et puis il a rajouté, mais je suis en couple. Et c'est là que mon malheur commence. Parce que ça m'a un petit peu cassé en deux, quoi, cette histoire. Et donc, je suis parti en disant que c'était juste comme ça, titre sympathique, voilà. Et c'était le 2 mai. Donc le 2 mai jusqu'au 9 mai, je me suis tenu tranquille. En étant très mal chez moi, mais bon, voilà. Et puis, moi, je suis une personne qui écrit quand même pas mal de textes, tout ça, enfin, beaucoup de choses. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et puis, j'avais fait un texte pour lui, et puis, que j'ai écrit dans une nuit entière. J'ai passé. Mais il est très long, et enfin, bon. Et puis, je sais pas pourquoi, le 9 mai, j'ai dit perdu pour perdu, Patrick. J'ai envoyé le texte par mail à son travail. Et j'espérais un retour, rien, j'ai eu aucun retour en fait, et ça m'a pas freiné en fait, puisque j'ai envoyé d'autres textes, en fait j'en ai envoyé 25 en fait, en tout, vous voyez Sophie, un par jour, alors ça peut être la nuit, le jour, on fait les discussions, donc tous mes amis me disent d'arrêter, et puis s'ils me disent d'arrêter, puis moi je peux pas arrêter, parce que je peux pas, c'est,
je l'ai vraiment dans la tête, il est en moi, il est dans mes veines. C'est assez terrible. Je croise quelqu'un dans le métro qui lui ressemble, je me mets à pleurer. Donc je suis vraiment mal, quoi. Je suis vraiment très mal. Ouais. J'ai tout essayé pour aller bien. Mmh. Alors bon, mes amis m'ont dit, on va faire du shopping. Moi, je me suis acheté plein de tas de choses. Enfin, ça me fait plaisir. Non, c'est pas là. Oui, c'est pas tellement de vous changer les idées. Patrick, je pense peut-être. Quel âge avez-vous, Patrick? Moi, j'ai 44 ans. 44 ans. Vous avez déjà été amoureux avant ou vous avez l'impression que c'est la première fois? Alors, c'est la deuxième. Je suis tombé amoureux fou d'un garçon il y a 15 ans. Je disais à des amis, si je retombe amoureux, on est en 2016, si je retombe amoureux dans 15 ans, je serai vieux, quoi. C'est pas la peine, ils rigolent, mais moi je rigole. Alors, non, je vous demande votre âge pour, comme une indication pour moi en termes de maturité, quelquefois. Oui, mais je me sens assez immature sur ce côté-là. Je me sens ridicule, en fait. Je comprends bien. Ne vous jugez pas mal. Vous savez, les Anglais disent pour le coup de foot, c'est love at the first sight. Mais ce qui est intéressant dans ce qui vous arrive, c'est vous demander. À quoi ça fait appel chez vous, justement par rapport à l'amour, parce que vous ne savez rien de lui, vous ne le connaissez pas, et en même temps il est déifié, il représente tout, et en appelant un tout petit peu, avec du recul à la raison, on est amoureux de quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie pour sa personne, avec lequel on partage des moments, là c'est de l'ordre de la déification. Et donc, ça raconte aussi pour vous une immense solitude et vide à l'intérieur où tout est projeté et ce compagnon idéalisé, rêvé, pourrait être comme tout ce qui vous manquait jusqu'à présent et il serait ce tout-là. Vous avez entièrement raison parce que, excusez-moi. Je vous en prie. J'ai passé ma vie en fait à bosser, à essayer de m'en sortir. Mmh. Et j'ai toujours fait passer le matériel bien avant tout. Mmh. Et ce qui fait que ce moment j'ai plus d'un côté matériel. Oui. Je suis pas franchement à plaindre. Oui. Vous êtes très ému là, oui Patrick. Oui. Un peu comme si tout d'un coup vous dites, parce que le coup de foudre ça brûle, c'est comme si vous aviez été, vous dites bah oui matériellement ça va, j'ai bien travaillé, j'ai réalisé une vie, et comme si le regard de cet homme vous faisait comprendre à quel point vous manquez l'essentiel d'une certaine manière. Mais en fait je me rends compte que bon, je suis comme un con tout seul chez moi finalement. Oui, c'est ça. Et depuis que je l'ai rencontré, je me rends compte à quel point ma vie est vide. Oui, mais alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs ce coup de foudre. Vous voyez la fonction de ce coup de foudre, c'est de connaître ce qui vous est essentiel. Simplement là, cet homme-là. Ça fait des années que je suis passé justement à côté de ma vie où j'ai travaillé pour payer des futilités. Je me travaille pour me payer des vêtements de marque, des montres chères, des conneries en fait. C'est vraiment des conneries. Mmh. Et c'est pas ça la vie, quoi, en fait. Je pense que c'est pas du tout ça la vie. Et lui, il me transforme, en fait, je peux pas. Mais il est là pour ça. Il est sur votre route pour ça. Il est sur votre route pour justement vous brûler de l'intérieur et brûler vos anciens attachements plus matérialistes et vous dire qu'il y a une autre vie. Le signe est là, il est sur votre chemin pour ça. Par contre, ce n'est pas la bonne personne pour vous d'abord parce que ce n'est pas partagé. Ça aurait pu être un coup de foudre réciproque, il se trouve que ça ne l'est pas. Et que là, il vous a très gentiment dit que lui, il avait quelqu'un dans sa vie. Oui, mais il est assez ambigu parce qu'il m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait bien reçu tous mes courriels et qu'il ne pouvait pas donner de suite favorable parce qu'il était en couple très heureux, mais qu'il me souhaitait de trouver la bonne personne. Mais c'est formidable, oui. Oui, j'ai trouvé ça très gentil, mais à la fois, moi, si vous voulez... Pour vous, c'est une invitation? Pas du tout, c'est une façon de dire... Je ne sais toujours pas s'il avait une fille ou un garçon, finalement. Et alors? Ça le regarde? Il n'est juste pas libre pour vous? Vous n'avez pas le savoir? Mais je
sais pas, finalement, c'est vrai que ça tourne un peu à l'obsession parce que je voudrais tout savoir. Enfin, dans ce que vous dites, il a été plutôt respectueux. Oui, il est très gentil. Par rapport à vous, il est même touché dans le sens, et c'est ça qui vous touche, c'est que quand il vous dit qu'il vous souhaite que vous rencontriez quelqu'un, il a de l'empathie, en fait, pour vous, il témoigne son empathie. Je crois qu'il est... Et là, je l'ai vu, en fait, j'ai passé tout le mois de mai sans le voir. Mm-hmm. Et là, je suis allé le voir au syndic. Parce qu'en fait, on avait un mur de la cour de cet immeuble qui s'est un peu écroulé. Et quand j'ai vu que ça s'était écroulé, moi, je n'habite pas dans cet immeuble, c'est juste une location que j'ai là. Et je me suis dit, bon, quand j'ai vu le mur, en fait, au lieu de penser que c'était grave, qu'il fallait payer à nouveau un mur, c'est ridicule parce que après, j'ai presque souri en me disant, mais c'est super, je vais pouvoir aller voir Manuel. C'est ridicule. Oui, c'est le temps que ça passe. Déjà, vous dites c'est ridicule, donc vous avez suffisamment de recul pour comprendre. Ouais. Et vous êtes bouleversé et faites quelque chose de ce bouleversement. Je vais essayer. Mais oui, c'est à ça que vous invite la vie, là. Et j'essaye. Et je pense que j'ai fait encore une erreur. Je dis d'y aller parce qu'en fait, quand je l'ai revu... Ça a été. On n'a pas du tout parlé, en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai mes amis qui m'ont dit d'arrêter tout ça. Ils sont presque un peu fâchés avec moi en me disant d'arrêter. Et moi, je n'y arrivais pas. J'écrivais un texte ou deux textes par jour que je balançais par mail. Et j'ai enfin pris conscience qu'il fallait que j'arrête d'y envoyer des mails. Donc, en fait. J'ai demandé à une amie qu'elle m'accompagne dans une papeterie. On a choisi un très beau papier à lettres. Et je lui ai écrit une petite lettre, pas une lettre, trois lignes en lui disant que j'avais perdu tout sens commun en le voyant. Ouais. Et que je ne le dérangerais plus. Et que je mettais mes salutations distinguées. Enfin, je suis revenu à un courrier beaucoup plus administratif, vous voyez ce que je veux dire. De manière à ce que quand je le revois pour mes appartements, ce soit... qu'on vous dire que ce soit voilà qui puisse être gêne En fait j'ai posté ce courrier, j'ai voulu que ça soit scindé en deux entre les mails qui étaient des déclarations d'amour et la lettre la lettre papier matériel, en fait j'ai voulu que ce soit beaucoup plus j'ai voulu marquer une séparation, j'ai voulu que ça soit matérialisé par un papier à lettre et donc j'ai envoyé cette lettre qui fait trois lignes en fait et depuis, je lui écris, je n'envoie plus de mails. Oui, c'est bien. Mais c'est déjà une étape. C'est déjà une première étape, Patrick. En fait, c'est petit à petit prendre la mesure, finalement. Et lui, je trouve, vous a accompagné de façon respectueuse par rapport à vous. Il ne vous a pas... on peut imaginer toutes sortes de comportements en face de ça. Et il a montré beaucoup de compréhension et d'accueil pour vous. Donc ça doit vous aider à le lâcher. Parce que sinon, après... Vous n'êtes pas dans le respect de ce qu'il fait envers vous. Donc c'est important, justement, si vous l'aimez autant, respectez aussi sa liberté, son territoire à lui, de ne pas l'envahir. Il vous a dit non, il vous a souhaité bonne chance pour votre vie sentimentale. Et vous pouvez le remercier, surtout le laisser tranquille. D'accord, donc il ne faut surtout pas... Après la lettre papier, il faut surtout que je... C'est fini, là. C'est fini, Patrick. D'accord. C'est fini, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Vous allez vous accrocher à une chimère. Vous pouvez continuer à rêver de lui. Il vous a réveillé. Dites-vous que c'est le baiser du prince au prince, et pas la princesse. Ce que m'ont dit mes amis. Voilà, vous étiez... C'est la belle au bois dormant. Le coup de foudre, c'est la belle au bois dormant. Vous avez été réveillé. Il vous a réveillé, cet homme. Réveillé. Voilà. Et ça me donne envie de rencontrer quelqu'un. Eh bien, formidable. J'espère, mais... Il vous met dans l'amour. Il vous met symboliquement dans l'amour. Mais c'est pas avec lui que ça va se passer. Je suis tellement mal. Oui, c'est normal. Ce que vous vivez, Patrick, dans un coup de foudre, c'est normal que vous soyez très mal. C'est mal à un point que, par exemple, je suis pas... Oui, c'est physique. Oui, bien sûr.
Ah oui, mais là, je pourrais me mettre en l'air. Quoi, mais oui, mais imaginez la foudre, hein, être foudroyé. C'est douloureux, surtout quand c'est pas partagé, c'est très douloureux. Mais c'est douloureux pour pouvoir éprouver quelque chose de sans doute d'un cœur qui battait plus à l'intérieur. Ouais, donc ça là, battait plus du tout. Et ben vous voyez, donc battu, en fait. Ben voilà, donc ça fait d'autant plus mal qu'il battait plus. Imaginez un cœur qui se remet à battre. Ce que vous me dites ce soir, ça me fait penser qu'en fait, grâce à lui, je pense que grâce à lui, je suis capable d'aimer. Exactement. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, Patrick. Voilà. Et je vous remercie, Sophie, de m'ouvrir les yeux sur ça. C'est que grâce à lui, je suis sûre que je peux aimer quelqu'un. Évidemment. C'est ça le message. Il est là, le baiser du prince. Hein, il vous a réveillé. D'accord. Il faut absolument. Ouais. Et avec beaucoup de respect, il l'a fait, je trouve. Je le trouve charmant et très... Il vous a fait un cadeau. Il vous a fait un cadeau. Sans le savoir. D'accord. En tout cas, il vous a fait un cadeau de vous accueillir aussi dans votre coup de foudre. Parce qu'il n'a jamais eu un mot déplacé. Oui, c'est ce que j'entends. Et très compréhensif et très accueillant. Il aurait pu être violent. Ça prouve que c'est... vous voyez, c'est un bel homme au sens beau à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il a compris. Et évidemment que lui, il est touché. On est toujours un peu touché que quelqu'un comme ça tombe amoureux. Bien sûr. Il est touché parce que j'y ai écrit. Mais sans doute, qu'être humain, enfin, belle personne, il est touché. Mais je ne vais pas vous dire amoureusement, parce qu'il a été très clair avec vous. Hein ? Il est en train de vous dire, je suis attaché à quelqu'un d'autre. Et donc, je ne suis pas disponible pour m'attacher à quelqu'un d'autre. C'est ça le message. Et il vous souhaite de vous attacher à quelqu'un. Et est-ce que j'en suis capable aussi ? Mais évidemment. Mais pourquoi vous ne le seriez pas ? Parce que là, depuis. Parce que je suis jamais trop sortie dans ma vie, vous voyez. Oui, mais jamais, vous allez bouger, jamais... vous allez changer. Mais je bouge un petit peu, vous voyez, je bouge un petit peu plus. Je me force, en fait. Moi, j'aime pas trop les boîtes de nuit, donc vous voyez, Sophie, c'est pas mon truc. Donc, mais là, j'ai des amis qui m'ont dit prends-toi par la main comme un grand et va dans une terrasse de café gay, mets-toi en terrasse et vois ce qui se passe. Oui. Donc, bon, c'est super pas mon idée. Truc, mais. Oui, mais bon. En fait, c'était pas mon truc, mais donc du coup, ça m'a coûté, ça m'a vraiment coûté, Sophie, je vous dis pas. Oui. Et bien, j'y suis allée. Oui. Et moi, en plus, j'ai passé ma vie à bosser, j'ai jamais dragué. Je suis un petit être dragueur, c'est vraiment catastrophique. Je suis une catastrophe. Et finalement, la première fois, c'était assez dur, et puis là. Puis là, j'y suis allé 2-3 fois. Ouais. Et je ne dis pas que je parle aux gens en terrasse, pas du tout. Déjà, j'y suis. Quoi, donc, oui, déjà, vous y êtes. Vous savez, Patrick, quand vous dites « je ne sais pas », parce que vous n'avez pas fait l'expérience et c'est nouveau. Et quand quelque chose est nouveau dans notre vie, on se sent maladroit, c'est normal, c'est nouveau. C'est une expérience nouvelle et on se dit aussi qu'on n'est pas compétent, qu'on ne saura pas faire. Mais c'est normal qu'on ne sache pas faire puisqu'on ne l'a jamais fait. Mais oui, mais évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, bien sûr, puisque vous ne l'avez jamais fait. Mais, faites-vous confiance. Bah oui, mais si vous ne vous faites pas confiance à tout âge, il y a un moment où c'est important de se faire confiance sur de nouveaux apprentissages, même des apprentissages émotionnels, humains, de se mettre dans des situations, se dire, voilà, je vais me découvrir, vous allez vous découvrir. Vous êtes réveillé. Je vous avais raison parce que je ne suis pas, comment vous dire, je ne suis plus tout à fait le même. Oui, sûrement. Ah ouais, et très bousculé, très bouleversé, parce qu'un cœur qui s'ouvre, y a plein d'émotions qui en sortent, qui devaient être sans doute enfermées depuis très longtemps, donc tout ça fait un torrent. Imaginez comme un barrage qui saute, alors c'est un grand torrent. Et puis je ne vois plus tout à fait les choses pareilles. J'ai des amis qui sont parfois un peu, comment dire... J'ai par exemple une personne à qui je parlais de cette histoire et qui me demandait comment était ce garçon. Alors je lui décris, je lui dis finalement il a un côté très simple et très vraiment presque ordinaire. Et finalement, ce qui se réveille en moi, c'est que je préfère trouver quelqu'un comme ça. De très authentique, oui, d'authentique, de vrai, quelque chose qui ça vous a touché. Il vous a touché. Mon ami me dit « Ah, donc ça doit être un bof. » J'ai dit « Écoute, s'il te plaît, tu ne parles pas comme ça de Manuel. » J'ai dit « S'il te plaît, j'ai d'autres mots parce que ça, c'est méchant. » Et j'ai osé
j'ai osé dire stop à ce genre de paroles, ah, parce c'est que bien, ouais. Je ne supporte pas qu'on parle comme ça de lui. Parce que oui, pas de mépris, en tout cas pas de mépris. On juge pas quelqu'un ouais. parce qu'il n'est pas habillé en marque, ouais. non, je ne sais quoi. Ouais. Parce que tout ça, je m'en fous maintenant totalement. Quoi. Je veux dire, je veux trouver la personne. Je veux dire, on s'en fout de la chemise, on s'en fout du pantalon, on s'en fout de... Voilà, et donc je ne supporte pas que... Moi, au contraire, maintenant, je veux quelqu'un de... Voilà, je pense qu'il me faut quelqu'un de simple, d'authentique, de gentil, de respectueux, de... Voilà. Bah vous vous en rendez compte, Patrick, tout ce que vous avez appris avec ce coup de foudre? Ça me paraît pas mal, hein. L'enseignement me paraît pas mal du tout, hein. Ben oui, parce qu'il y a des gens que même dans mon entourage maintenant qui sont très superficiels, que je déteste. Et oui, vous allez changer. Je suis craché avec deux d'entre eux, je leur dis, toi, tes marques, tes voitures de luxe et tes montres à la con, casse-toi, je ne veux plus te voir. Et oui, ça vous transforme, c'est une rencontre qui vous transforme. Il y a Monica qui dit, vous avez rencontré une muse, l'amour virtuel, un rêve, cet homme vous a donné le sujet, à vous de trouver l'objet. L'objet de votre amour. Et puis il y a Laurence qui dit, voilà, cet homme a provoqué en vous une réaction, vos écrits sont beaux et délicats, et sans doute un préalable à une belle relation. J'espère aussi, j'espère oui. On vous entend plus, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout loin. Ah, vous étiez loin de votre téléphone. Oui, d'accord. Donc pour terminer, c'est que je fais tout pour aller mieux, mais... par exemple, vous voyez, je faisais un peu de datation, j'ai triplé les... Je veux dire, les doses. C'est-à-dire, je n'en reviens pas moi-même. Les doses de quoi? Je fais de la natation. Ah, de natation. Vous voyez, je vous entendais mal. Ah, bah j'ai super triplé, magnifique, vous allez être magnifique. J'ai triplé les... À chaque fois que j'y vais, maintenant, je fais 3000 mètres de nage d'un coup, d'un trait, quoi. Enfin, je veux dire... Bon. Bah, vous préparez, voilà. Ouais, mais vous croyez qu'en sortant, je suis heureux? Ben là, tout à l'heure, je suis sorti, Et je suis sortie, je me suis mis à pleurer quand même. Oui, mais alors, Patrick, laissez un peu de temps quand même. Je vous parlais d'un torrent voilà, qui explose après un barrage. Vous savez, un torrent, ça fait quelquefois un peu des dégâts. Hein. On sait, avec de l'eau, ça va vite, le courant va vite. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Et on sent beaucoup d'agitation en vous. Et puis, c'est ces longueurs de natation que vous avez triplées. Donc, laissez-vous, accueillez-vous dans ce changement. Arrêtez de vous juger. De dire, de prendre comme ça des choses définitives. Sinon, vous n'accueillez pas la vie qui vous propose quelque chose de nouveau et vous restez très définitif. Comme dit Sabine, Patrick, cet homme vous a fait le cadeau de la prise de conscience, de vous ouvrir à la vie. Je vous souhaite un nouveau beau soleil. Moi aussi, je vous souhaite un très beau soleil, Patrick. Très, très gentil. Et ce que je retiens de vous, c'est ce que vous avez dit, ce nouveau départ. Il m'a ouvert les yeux, finalement. Je crois qu'il m'a ouvert mon cœur. Le baiser du prince, gardez cette image-là. Vous êtes réveillé. D'accord. Au revoir, Patrick. Et bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Un secret. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir, Isabelle. Oui, bonjour, Sophie. Moi, je suis très contente de vous avoir ce soir. Oui. Que ça ne va pas Merci. Très très bien. Ouais. J'avais eu l'occasion de parler avec Caroline en septembre dernier, ouais. Un peu de mon histoire. Alors, c'est ouais. un peu la suite en fait, mais ouais. je vais vous résumer. Alors en fait, moi je suis mariée depuis 15 ans avec un homme étranger qui est venu s'installer en France avec moi. Donc il a tout quitté, hein, son pays, sa famille, sa situation professionnelle pour venir en France. Bon, quand on s'est rencontrés, il y avait déjà des problèmes, notamment d'alcool. Mais moi, je mettais ça sur le compte. Bah, il avait des soucis, donc pour moi, ça allait avec ça, naïvement. Et puis ensuite, quand on s'est installé, on est revenu, on s'est installé en France. On avait deux ans. Juste, je vous arrête, Isabelle, quand oui. vous dites, on s'est rencontrés, il avait déjà des problèmes d'alcool et je me suis dit que ça allait avec ça quoi? Avec les problèmes qu'il avait. Il avait des problèmes déjà. D'accord. Et moi, quand je l'ai rencontré, en fait, j'ai été un petit peu l'infirmière. Oui. un peu la sauveuse. Et vous avez pensé que ça passerait? Oui. Oui, je pensais que ça passerait. Enfin, en tout cas, que ça passerait. Je pensais que c'était vraiment lié à ces soucis. Et donc, finalement, ces premiers soucis-là se sont réglés. On a pu revenir en France, vivre en France tous les deux avec deux enfants. On a eu deux enfants.
sauf que bah, les problèmes, enfin les problèmes d'alcool notamment, se sont pas arrangés du tout. Ça a même empiré, ou alors j'avais pas vu au départ, mais ça s'est empiré. La situation s'est aggravée. Donc, en fait, c'est un homme qui, moi je dis comme ça, je sais pas, mais pour moi il est dépressif. Donc il pleure sans arrêt sur ce qu'il a laissé au pays, entre autres. Il se retrouve pas vraiment en France. Bon, il a beaucoup de mal à s'installer professionnellement, mais en même temps, dès qu'il a un emploi, il y reste 2 mois, 3 mois, et puis il s'en va. Il démissionne, parfois sans aucune raison, ou parfois parce que il s'est passé quelque chose, ou l'employeur lui a parlé sur un temps qui lui a pas plu. Donc après, s'enchaînent bah, des mois de chômage, où là, il va boire. Et puis oui, il va me pourrir la vie, quoi. Il y a pas d'autres mots, m'accusant de tous les maux. Voilà. Donc ça fait 15 ans. On a eu des. Il est parti parfois 1 mois, 2 mois, sans donner de nouvelles. Alors moi, ce qui était ressorti un petit peu de la conversation avec Caroline, c'est que en fait, moi j'ai toujours essayé d'arranger les choses. Alors c'est vrai que vis-à-vis de, enfin je me sentais un peu coupable parce que quand même il était venu en France pour moi, donc je me sentais un peu responsable, voilà, responsable de son bonheur. Il fallait absolument qu'il soit heureux. Alors je l'ai beaucoup pris en charge, je me suis beaucoup occupée de lui, j'ai voulu l'aider à trouver du travail, j'ai voulu, voilà, parce que je me disais moi je connais bien, enfin voilà c'est mon pays, je vais t'aider, je sais comment, je connais des gens, etc. Donc j'ai voulu, enfin j'ai fait ça. Je me suis beaucoup occupée de lui, donc finalement il s'est retrouvé, enfin apparemment j'en ai trop fait. Donc je l'ai maintenu un peu dans un état de dépendance. Moi parfois il me faisait penser à un adolescent qui faisait sa crise, hein, qui se rebellait contre moi. Voilà. Et puis il y a un an et demi, il y a eu une grosse dispute. Il avait bu, donc était très agressif, et puis il est parti. Et puis, bah, contrairement aux autres fois, je ne l'ai pas rappelé, je ne lui ai pas demandé de revenir. Enfin, je l'ai même, parce qu'avant, je le suppliais de revenir. Et donc là, je n'ai rien fait, donc il n'est pas revenu. Et donc, ça a duré 1 an et demi. Il a finalement trouvé un endroit où dormir, un petit appartement. Alors, Isabelle, je vous interromps quelques secondes parce qu'on va devoir se quitter. Hein, on arrive au journal. Donc voilà, j'ai pris bonne note du début de votre histoire. On va reprendre le fil juste après les informations de minuit. Donc vous ne quittez pas, on se retrouve dans quelques instants. Merci, à tout de suite Isabelle. Écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct au 39 21 pour nous confier un peu de vos joies et de vos peines, un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et nous nous répondons. Et puis c'est aussi un lieu où on vous propose dans cette libre antenne de vous éclairer, de vous accompagner, de vous soutenir. Appelez-nous au standard au 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Quentin et Corentin sous l'œil attentif de Nicolas qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters.
Et on retrouve Isabelle qui était avec nous avant le journal de minuit. Vous êtes là, Isabelle. Oui. Oui. Alors, Isabelle, succinctement, je résume ce que vous nous racontiez. Vous êtes mariée depuis 15 ans avec un étranger qui est venu s'installer en France avec vous. Et quand vous vous êtes rencontrés il y a 15 ans, il y avait déjà un peu il avait des problèmes avec l'alcool. Et vous avez pensé que ça passerait, que c'était lié à ses soucis. Vous avez eu ensuite deux enfants et puis vous n'avez pas trop voulu voir ou vous avez pensé que ce problème d'alcool, vous arriveriez à le soigner. Vous nous avez dit aussi que vous aviez essayé toujours d'arranger les choses. C'est ce que vous aviez vu avec Caroline, je crois, en septembre dernier. Et que vous l'aviez beaucoup pris en charge. Vous vous sentiez finalement un peu coupable qu'il soit venu en France et qu'il ait tous ses soucis. Et puis, il y a 18 mois, vous avez eu une très grosse dispute. Dispute après laquelle vous l'avez pour une fois pas supplié de revenir et vous êtes resté, alors si j'ai bien compris, séparé pendant ces 18 mois. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, pendant toutes ces années, évidemment, c'est moi qui ai assuré financièrement les enfants, la maison, parce que il n'est pas du tout, on peut pas du tout lui faire confiance. Hein. Il est capable de partir le matin de très bonne humeur et de pas revenir le soir. De disparaître. Donc moi j'ai tout pris en charge. Donc évidemment, j'ai payé toutes les dettes qu'il a pu faire. J'ai tout réparé dans tout ce qui pouvait arriver. En fait, j'ai toujours réparé, payé, trouvé des solutions pour lui. Mmh. Voilà. Et donc ce jour-là, donc il est parti. Et là, je me suis dit que il fallait plus continuer comme ça. Ouais. Donc j'ai tenu bon. Donc je lui ai dit que je ne donnerai plus d'argent, que je ne paierai plus rien, que il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il s'assume. Il était parti. Donc ça a duré un an et demi. Bon, alors après, on a des sentiments l'un et l'autre. Je sais qu'il a beaucoup de sentiments pour moi, qu'il tient beaucoup aux enfants. Et moi aussi, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et durant toute cette période, on n'a rien dit à personne. En fait, personne n'était au courant. C'était un peu... C'est vos familles, vos amis. J'ai quelques amis qui étaient au courant, mais ma famille, mes parents ne le savaient pas. On a caché. Sa famille, à lui, ne savait pas. Et les enfants non plus. Parce que comme il avait un travail où il était souvent absent, les enfants étaient un peu habitués à ce qu'il ne soit pas toujours là ou qu'il parte tôt le matin et qu'il rentre tard le soir. Donc tout passait, en fait, papa n'est pas là, maintenant il est au travail, il ne viendra pas à la fête maintenant parce qu'il travaille. Donc pendant un an et demi, on a menti à tout le monde, en fait, on a caché ça. Et il venait quand même... passer des moments à la maison, voir les enfants, déjeuner le dimanche, Mais en toute... c'était sympathique. Oui, voilà. Ça se passait plutôt bien, ce que j'entends. D'accord. Ça se passait bien. Aujourd'hui, si vous rappelez ce soir, Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé, justement? C'est un homme qui parle pas. En fait, quand on se dispute, il veut pas en reparler. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut parler de rien. Il n'a pas du tout accès à lui-même, à ses émotions. Hein. L'alcool est bien un masque qui le met à distance de lui. Hein. Donc il n'a effectivement pas cette capacité de mettre en mots ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Dans une forme de déni, en fait. Alors évidemment, c'est pour ça aussi que tout est de ma faute à chaque fois. Il vous le reproche, il vous le renvoie, que c'est de votre faute. Tout. Mais même, puis après, il va tourner la conversation de sorte à ce que ce soit de ma faute. Mais au final, c'est toujours de ma faute. Aucune remise en cause, ni même responsabilité. Mais ça va aussi avec l'alcoolisme. Il n'y a pas de responsabilité de prise en charge. Il a fait des cures de désintoxication, il a tenté de se soigner. Non, rien du tout. D'accord, il a toujours été dans le déni et vous l'avez toujours porté, ce qui, avec quelqu'un qui a un problème d'alcool, est
tout à fait, j'allais dire contre-performant, enfin n'est pas du tout aidant, parce que c'est le seul moyen que quelqu'un cède, c'est qu'il soit en face de sa problématique. Et vous l'avez masqué, bien sûr, en croyant bien faire, et surtout en le masquant auprès des amis. Donc, vous voyez, tout ça continuait finalement, et ça lui allait assez bien. Et puis vous portiez son problème à sa place, donc vous en aviez aussi la culpabilité, vous aviez tout avec. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette période de séparation, moi je trouvais que ça nous avait fait du bien. Bon, à moi aussi, parce que bon, c'est vrai que bah, je lui reprochais, hein, parfois je lui disais, enfin voilà, je lui reprochais quand même ce qui me faisait vivre. Parfois on avait plus d'argent sur le compte parce qu'il dépensait tout dans les cafés. Bon, moi ça me faisait pas plaisir évidemment, donc bon voilà, et donc du coup finalement petit à petit on a commencé à se rapprocher, etc. Et puis il y a un mois et demi on a décidé de revivre ensemble. Donc il avait on avait eu une conversation assez intéressante. Je crois que c'est une des rares que j'ai pu avoir avec lui, où il me disait qu'effectivement il avait un problème, et il reconnaissait qu'il avait un problème avec l'alcool entre autres, bon, qu'il se sentait pas très bien en France, que c'était très dur pour lui, qu'il était seul, et que voilà, il avait envie de vivre avec nous, que c'était important. Et que voilà, il allait, qu'il avait bien compris, et que il allait faire des efforts, faire attention, etc. Bon, donc voilà. Donc du coup, il est revenu à la maison. On a eu 45 jours de paix. C'était bien. Je souris, mais je ris jaune parce que c'est assez difficile pour moi. Donc 45 jours, ça s'est très bien passé. Alors, il travaille plus. Encore une fois, depuis 3 mois, donc là il travaillait pas, donc il a commencé à chercher du travail, et puis mais je lui ai rien reproché, enfin je lui ai dit t'inquiète pas, cherche du travail, voilà. Bon, entre temps, j'ai dit voilà, si tu t'occupes des enfants, voilà, c'est pareil, bon, donc ça se passait bien. Mercredi soir, mercredi dernier, on a passé une soirée. Il y avait un peu, enfin c'était un peu la fête à la maison, donc très bonne soirée. Il était très content parce qu'il avait un entretien d'embauche le lendemain et c'était très prometteur, donc il était vraiment très content. Et donc le jeudi matin, je pars au travail. À midi, il m'appelle avec une conversation un peu décousue. Je savais pas trop ce qu'il me voulait, en fait. Il m'appelait, mais je savais pas trop pourquoi. Donc, je me suis dit, tiens, il est stressé à cause de l'entretien qui avait lieu l'après-midi, parce que c'était quand même un enjeu pour lui. Donc, bon, j'ai rien dit, j'ai pas... Voilà, ça c'est... Et donc, sur les coups, en fin d'après-midi, il m'a rappelé avec un discours un peu incohérent. Et là, je lui ai dit, tu as bu ? Non. Mais bon, voilà, j'ai l'habitude. Quand il parle comme ça, je sais qu'il avait bu. Donc il m'a appelé plusieurs fois pour me dire rien, en fait. Il m'a appelé plusieurs fois. Et finalement, quand je suis rentrée à la maison et qu'il est revenu à la maison, bah, il était saoul, complètement saoul, agressif. Donc il m'a dit des choses... des horreurs, oui, choses injustes. Comme quand il est sous alcool, vous le savez, ça. Bah oui. Oui, ça ne vous étonne pas. Ouais. Non, ça ne m'étonne pas, mais bon, voilà, donc j'étais très déçue. Alors, j'ai rien dit, il y avait les enfants, j'ai dit, bon, on va rester tranquille. Et puis, bon, il a cherché les ennuis, hein, il a cherché la petite bête, il m'a provoqué. Et puis, finalement, bon, je lui ai dit, écoute, là, tu es saoul. C'est évident, alors me dis pas le contraire, et puis voilà. Voilà. Et donc, bon, il s'est fâché, il est parti, et donc ça fait depuis jeudi soir, il est parti, il n'est pas rentré à la maison, je ne sais pas où il est, il n'a pas téléphoné, et j'ai eu l'employeur avec lequel il devait passer un entretien. Qui a rappelé à la maison en me demandant pourquoi
pourquoi il n'était pas venu à l'entretien d'embauche, est-ce qu'il avait eu un problème, etc. Donc, du coup, il n'est pas allé non plus à l'entretien d'embauche le jeudi après-midi. Donc, je pense qu'il était très alcoolisé, il n'a pas pu y aller. Et donc là, moi, c'est un peu la foi de trop. En plus, je suis très, très déçue parce que j'y ai cru, vraiment. Vraiment, j'y ai cru. Hein. Je suis peut-être naïve, mais j'y ai cru. Ah, ça s'entend, oui. Ça s'entend. D'ailleurs, voyez, Isabelle, ça fait 15 ans que vous y croisiez et 15 ans que vous cherchez à le sauver. Or, vous faites du sauvetage et le sauvetage, c'est pas très aidant. Voilà, vous le portez depuis 15 ans en vous épuisant. Et en fait, là, vous commencez à toucher enfin vos limites. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Mais ce qui est difficile pour vous, c'est quand on est accru à quelque chose comme ça pendant 15 ans, c'est très dur de renoncer. Parce qu'on se dit, mais alors pourquoi ? Pourquoi j'y ai cru pendant 15 ans ? Pourquoi j'ai pas cédé plus tôt ? Oui, ça remet en cause votre fonctionnement de 15 ans. C'est pour ça que là, aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. C'est que ça fait 15 ans que vous êtes sur le même mode. Et tout d'un coup, le fait de ne plus en pouvoir et de toucher vos limites, ça remet en cause tout ce que vous avez espéré et voulu pendant 15 ans. Comme si vous vous étiez, on va dire, j'allais dire, ce sentiment de s'être trompé de chemin. Et ça, quelquefois, ça fait que dans la vie, on continue à s'entêter ou on ne veut pas voir. On se crée soi-même un déni. Oui, bah je... Parce que c'est douloureux, ça, pour vous, bien sûr. Ah bah oui, j'étais un petit peu dans l'image du mariage idéal. Oui, vous avez et de la voulu famille. Croire à votre projet coûte que coûte, oui, jusqu'à l'alcool. Vous êtes pas renseignée, Isabelle, pendant toutes ces années, justement, sur le comportement des gens alcooliques, sur comment aider un alcoolique? Vous avez vu des gens? Quelles ont été vos démarches? Parce que moi, quand vous me dites que vous le mettez en face, par exemple, de son alcoolisme, ça, c'est pas très aidant, et pour vous, effectivement, vous enchaînez la violence parce que vous le mettez en face de lui-même, ce qu'il est déjà pas capable de faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai noyé le poisson, hein. J'ai essayé de, je me suis dit ça va aller, ça va s'arranger. En fait, je trouvais toujours des excuses, oui, hein, c'est parce ça. Que la première année, c'était bon, la vie en France, la première année, c'est difficile. La deuxième année, c'était bon, les enfants, c'est difficile. Donc, j'ai trouvé, à chaque fois, je trouvais des excuses. Et Gisèle demande, Gisèle qui est une ancienne, alcoolique sobre depuis 13 ans, dit-elle, se demande pourquoi, vous ne l'emmenez pas voir un alcoologue, d'y aller avec lui, au pire, de lui donner un ultimatum. Mais il ne veut pas. Il veut pas. Même en lui donnant un ultimatum pour aller se faire soigner. Moi, au mois de septembre, justement, sur les conseils de Caroline, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, voilà, maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça. Mm-hmm. C'est ferme, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, il faut que tu fasses quelque chose, que tu te soignes, etc. Alors, il m'a dit qu'il voyait quelqu'un, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et il ne voit personne et... Et c'est impossible de discuter avec lui. En plus, il reconnaît absolument pas ses torts. Mais bien sûr, bien sûr. Et ce soir, vous êtes inquiète. Qu'est-ce que vous vous dites là ce soir par rapport au fait qu'il a disparu depuis jeudi soir? Ça ne m'inquiète pas trop parce que c'est pas la première fois. Oui. Donc je me dis qu'il est, quelque part, sans doute chez un ami, un copain à lui, mais bon, je pense qu'il est complètement sous. Il doit être, il doit être dans un état terrible. Moi, ce soir, c'est que cette fois-là, j'y ai tellement cru et je suis tellement déçue et je me dis, il n'y a rien à faire, quoi. Non, il n'y a rien à faire. Il est urgent de ne rien faire, là, envers lui. J'ai pensé au divorce. Je me suis dit, c'est bon, cette fois, il faut que ça s'arrête. Mais en même temps, c'est très difficile pour moi de... Parce que c'est pas la première fois que je me suis dit, c'est bon, on va s'arrêter là, c'est plus possible. Mais j'ai les enfants, ça me fait beaucoup de mal pour les enfants, parce qu'ils sont très attachés. C'est un bon papa, il s'occupe pas trop des enfants, mais il les aime, et quand il a une bonne relation avec ses enfants.
Donc, bon, ça me fait très, très mal pour les enfants. Les enfants, ils ont conscience que leur papa est malade? Non, je ne crois pas. Par contre, ils ont conscience que ça ne va pas entre nous. Mmh. Voilà, parce que jeudi, ils étaient là. Oui. Alors, la grande, elle a 9 ans, le petit, il a 5 ans. Donc, lui, le petit, ça va encore. Mais la grande, aujourd'hui, elle a vu la dispute jeudi. Elle a vu son père qui est parti. En plus, quand il est parti, il a dit « je pars, je reviens plus ». Donc elle a entendu et elle m'en a parlé parce qu'elle m'a parlé, elle m'a dit voilà, les parents de son amie, elle a une copine, elle m'a dit les parents ils sont séparés, on en a parlé, ça a été voilà, oui. Elle a tendu la perche et oui. je lui ai dit voilà, peut-être qu'on va se séparer, peut-être que ce sera mieux, voilà, bon, je lui ai expliqué ça, bon, elle m'a dit bon, je vais beaucoup pleurer, ben, je dis oui, je sais, ce sera pas facile, mais peut-être qu'on en arrivera là. Mais devant les enfants, enfin bon, jeudi, il était avec les enfants. Bon, moi, je sais qu'il n'était pas dans son état normal. Je ne sais pas si les enfants se rendent vraiment compte. Je ne sais pas. Non, ils se rendent compte que leur papa n'est pas dans son état normal. Et c'est important que vous puissiez le leur dire, pas qu'ils imaginent plein de choses par rapport à eux, parce qu'un enfant pense toujours que le parent a un comportement, que c'est de leur faute. Donc ça, c'est important de les protéger là-dessus. Maintenant, Isabelle, sans vous dire définitivement, bon, la seule issue, c'est le divorce, l'issue pour le moment, en tout cas pour vous, c'est de changer de posture et de comportement et d'aller effectivement au clash dans le sens de ne plus faire ce que vous avez fait pendant 15 ans et d'envisager, en tout cas d'être dans cette conscience que oui, il peut y avoir une rupture, un divorce qui divorce qui n'aura peut-être pas lieu parce que ce sera salutaire avant s'il comprend que vous le lâchez. Parce que si vous le lâchez, il est mis en face de lui-même. Et là, vous avez une chance, je dis une chance, parce qu'il tient à vous, parce qu'il tient à ses enfants, et vous dites, il est attaché à ses enfants, qu'il se soigne. S'il vous trouve toujours au même endroit, à le soutenir, à l'excuser, à le cacher, à le protéger, à lui tenir la main pour aller chercher un emploi, à lui faire des reproches comme ferait une maman à son gamin, à l'infantiliser comme vous le faites, il continuera. Il continuera toujours. Alors que si vous le considérez comme un adulte qui est capable d'être responsable de lui-même, que vous avez une certaine confiance dans sa capacité à se prendre en charge, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Là, oui. En fait, vous l'avez porté avec vous pendant 15 ans. Mais si maintenant vous vous persuadez qu'en le laissant face à lui-même, il va se rencontrer et que quand il va se regarder, il va dire non, je peux pas faire ça à la femme que j'aime, à mes enfants, j'ai construit quelque chose, et qui touchera bien sûr le fond, mais il peut avoir un sursaut de dire maintenant je vais me faire soigner. Et là, vous allez retrouver ou garder un homme. Mais là, ça fait 15 ans que vous êtes dans une situation qui n'a aucune issue. Si ce n'est fatal pour vous deux, parce que vous allez couler ensemble. Oui, la période où on a été séparés, moi je ne me suis pas occupée, déjà il n'était pas là, donc ça a été une période assez salutaire pour moi, parce qu'il n'était pas là, donc je m'en occupais pas en fait. Et il s'est pris un peu mieux en charge quand on l'a vu? Oui, à vrai dire, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Par contre, c'est vrai que il a bien été obligé d'aller travailler, puisque de toute façon il n'y avait pas, moi je lui donnais pas d'argent, donc il a été travailler. Par contre, je sais qu'il a vécu dans des conditions difficiles. Oui, mais il s'est pris en main, et comme vous dites, il a travaillé comme par hasard. Quand vous n'étiez plus à le porter, comme dit Yvan, arrêtez de lui donner des excuses. C'est un adulte, et Yvan ajoute, on décide pas de se soigner à la place de l'autre. Oui, je comprends. Oui, qu'il faut aussi penser à vos enfants, parce que pour vos enfants, voilà, l'exemple qu'ils donnent et l'exemple du couple que vous donnez n'est pas pour eux quelque chose d'aidant non plus, parce que vous masquez, vous cachez, vous excusez. Oui, je sais, mais moi, je ne sais pas trop comment faire. Mais de le considérer autrement que vous le considérez. C'est-à-dire que vous vous considérez, avec votre culpabilité d'ailleurs, en toute puissance face à lui. Et dans votre toute puissance, vous pensez que vous avez la réponse à son problème et qu'en le portant, tout ça finira un jour par s'arranger. Vous voyez bien que non, au bout de 15 ans. Oui, oui.
Alors, par contre, changer, hein, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que ce qui est très difficile pour vous de changer de comportement, c'est, ça sonne un peu, je mets des guillemets au mot parce qu'il est un peu fort, un peu comme un échec, c'est-à-dire du comportement depuis 15 ans. Et ça, c'est très difficile quand on doit changer ça, quand on se rend compte que ben, c'était pas tout à fait le bon axe. Mais si vous le faites pas, ça va pas arranger les choses. Donc laissez tomber votre culpabilité, votre ego, tout ce que vous vous dites sur vous. Et puis regardez vos enfants, ce que vous avez construit, ce à quoi vous tenez. Et faites-lui suffisamment, justement, confiance, pas confiance, dans le sens on peut compter sur lui, comme vous dites à quelqu'un qui s'alcoolise, on peut pas compter dessus, mais confiance dans ce que vous avez créé ensemble, dans son attachement à ses enfants dont vous parlez, et confiance à ce moment-là de dire, bah, il va aller au bout du bout, et il y a une chance pour que, une fois lâché, la preuve, c'est que pendant la séparation, il a travaillé. Vous dites, vous parlez de lui comme un enfant. Il a vécu dans des conditions épouvantables, etc. N'empêche qu'il s'est porté. Donc, il était déjà en train de faire un pas. La preuve, c'est qu'il y arrivait. Oui, je suis d'accord, mais... Mais moi, si je vois qu'il coule, je ne peux pas rester à regarder comme ça. Ouais, vous avez peur pour lui. Vous avez peur qu'il s'effondre sans vous. Ah ben moi je pense que oui. Oui, ben moi je pense que non, Isabelle. Vous voyez, parce que là, c'est justement parce que vous croyez qu'il va s'effondrer sans vous que vous le portez depuis 15 ans. Et cette croyance-là est tellement ancrée en vous que vous continuez en fait à le porter parce que vous avez peur de porter la responsabilité qu'il aille de plus en plus mal. Or, il va de plus en plus mal. Et vous êtes là. Moi, ce que je vous conseille, Isabelle, vous avez consulté quelqu'un pour vous qui vous aiderait, qui vous accompagnerait ? J'ai vu, oui, à un moment donné, mais j'ai arrêté. Mais j'ai Pourquoi vu quelqu'un, ouais. Vous avez arrêté ? J'ai arrêté parce que... La psy, elle m'a dit un petit peu ce que vous m'avez dit. Hein. Ouais. Donc, c'est difficile à entendre, mais ça aussi, je peux le comprendre, Isabelle, que ce que je vous dis est difficile à entendre, parce que c'est terrible pour vous. C'est comme si on vous disait presque d'abandonner une forme d'enfant, c'est-à-dire de cet homme que vous avez immensément protégé. Mais qui vous avez protégé ? Vous avez pensé que vous protégez vous et vos enfants. Et la preuve, vous ne vous êtes pas protégé. Et ce qui est terrible dans cette pathologie de l'alcoolisme, c'est qu'en général, on coule avec. Et c'est ce qui est en train de vous arriver, Isabelle. Et oui, c'est pas aidant ni pour vous, ni pour lui. Et quand moi je parle de vous faire aider, c'est aussi vous faire aider pour comprendre. Alors sinon, allez voir un groupe d'alcooliques anonymes pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que ce qui m'apparaît... En vous écoutant, c'est que ça fait 15 ans que vous vivez avec quelqu'un qui est alcoolique, sans bien savoir de quoi il en retourne, à la fois dans ses comportements et dans la façon de se comporter avec quelqu'un qui est alcoolique. Et du coup, c'est là où vous ne vous aidez pas. Parce que ce qui vous aiderait, c'est peut-être pas tant. Voilà, d'aller voir un psy, si c'est... Moi, je pense que ça vous aiderait quand même d'être aidé sur ce plan-là, mais dans votre capacité, voilà, à écouter, petit à petit comprendre. Mais peut-être vous renseigner, avoir beaucoup plus d'informations sur la pathologie, sur qu'est-ce qui se passe, sur qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui n'aide pas, qu'est-ce qui est bon de faire. Il y a pléthore aujourd'hui à la fois de sites internet, d'informations sur le sujet, d'associations aidantes. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous avez été très seule avec ce sujet-là, en pensant que toute seule, vous alliez tout résoudre. Et c'est votre toute-puissance qui vous met en face aujourd'hui de ce qui est très très douloureux et qui sonne comme un échec. Parce que, comme vous dites, moi j'ai cru que je m'en sortirais toute seule. Oui, Et sans information. Oui. Et sans information. Ça, c'est vrai. Il y a une façon de se comporter avec quelqu'un qui est alcoolique. C'est très compliqué d'abord. Et puis, il y a plein de petites choses à savoir dans le comportement. D'accord. Quoi dire, comment faire, ne pas faire honte parce qu'il est dans la honte, par exemple. Ne pas lui dire, oui, je vois que t'as bu. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'entends que vous faites et qu'il vaudrait mieux ne pas faire pour justement que petit à petit, tout en étant peut-être un peu là. Mais si vous voulez continuer à être auprès de lui, peut-être aussi que vous pouvez regarder comment être auprès de lui de façon très différente.
C'est pour ça que je vous dis, avant d'aller jusqu'au divorce ou la séparation, c'est avoir une posture qui soit beaucoup plus juste et donc plus aidante au final. Oui, d'accord. Oui. C'est vrai, j'avais jamais, j'ai jamais pensé comme ça. Effectivement. Oui, ça remet sans doute beaucoup de choses en cause parce que j'entends votre soupir. Alors, les auditeurs aussi réagissent beaucoup. Il y a Florence, il y a Monica, il y a Laurence qui disent de penser. Alors, bien sûr que vous y pensez à vos enfants, mais c'est sûr que si vous imaginez que vos enfants n'ont pas compris ce qui se passait, ils sont tellement bien supérieurement intelligents et ils sont tout. Ils ont bien vu que leur papa avait un problème, même s'ils n'en ont pas le nom et s'ils n'en comprennent pas tout. Et c'est d'autant plus grave qu'un enfant qui n'a pas toutes les clés imagine énormément de choses et peut se raconter une histoire qui, quand il sera jeune adulte ou adolescent, vous échappera complètement. Donc vous, c'est là aussi où vous devez vous faire aider en tant que maman pour vous aider à en parler à vos enfants et à mettre les mots dessus. Et assez rapidement. Parce que sinon, eux vont se raconter un scénario sur leur papa qui ne sera pas le bon. D'accord. Et qui les poursuivra après, parce qu'ils seront très inconscients, comme ils n'ont pas les mots et qu'ils ne comprennent pas. Et donc si vous avez masqué ça, mais bien sûr qu'ils comprennent dans l'instinct, dans l'inconscient, beaucoup de choses. Et même la vérité, mais ils vont en faire peut-être autre chose. Et c'est ça qui est embêtant pour eux et qui ne va pas être très aidant. Oui, je comprends, ouais. Mais... Oui, non, mais vous avez raison. Ça me... Oui, ça vous bouscule. Mais bon, c'est... Oui, ça me bouscule. Et puis, bon. Vous diriez... Moi, j'ai fait ça, ça partait de bon sentiment. Mais évidemment, c'est ce que je voulais vous dire. Bien sûr, c'est ça qui est très, très douloureux pour vous. C'est que vous y avez cru, comme vous dites, je voulais une belle famille. Vous dites que vous êtes attachée à lui, qu'il y avait de l'amour. C'est excessivement douloureux, évidemment, et que vous n'avez pas... Voyez, vous me parlez comme si vous aviez à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. À partir du moment où vous pensiez que c'était la meilleure chose à faire, comme on dit, dans la bonne intention, vous êtes allé vers ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui se passe et c'est la conscience que vous pouvez avoir que c'était peut-être pas tout à fait ça, mais ça fait pas de vous une personne moins bien ou coupable d'eux. C'est juste que il vous a manqué des parts d'information, vous avez cru à quelque chose. Bon, mais on fait tout ça dans nos vies à un moment donné. On part sur un chemin, puis on s'entête parce qu'on se dit que c'est sûrement le bon et on continue jusqu'au jour où on se blesse, on se fait mal et on se dit Et là, c'est le moment le plus douloureux de dire c'était pas celui-là. Oui, mais là, maintenant, je sais plus quoi faire. Parce que... Il n'y a rien à faire, Isabelle. Écoutez-moi, pour l'instant, rien à faire. Il n'est pas là. Vous allez voir s'il revient. Et d'ici là, et dès le début de la semaine prochaine, commencez à regarder, même demain, sur Internet, des choses sur l'alcoolisme. Renseignez-vous sur la pathologie. Essayez de comprendre ce qu'il vit. Essayez de comprendre... Sans vous mettre en abîme, sans vous dire j'ai tout faux, je suis pas en train de vous dire ça, c'est comprendre là où des clés ne vous ont manqué. Allez chercher les clés qui vous manquent. Essayez de mieux comprendre tout ce qui s'est passé sans rentrer dans la culpabilité. Parce que vous avez un gros sujet sur la culpabilité qui là, il serait bon d'aller travailler auprès d'un psy. Parce que ça vous entrave, ça vous freine. Oui. Elle est idiote, elle vous sert à rien. Vous pouvez toujours vous flageller pour vous dire que vous avez tout faux. Et alors, vous croyez pas qu'il y en a plein des gens qui font... on fait des erreurs. On apprend par nos erreurs. Notre apprentissage est fait d'erreurs constantes. Donc oui, là, vous êtes en apprentissage, en fait. Et c'est douloureux, bien sûr, l'apprentissage. C'est de la culpabilité, mais... c'est plus accepter un échec, quoi, parce que moi je pouvais pas admettre que ça marche pas. Pour moi il fallait que ça marche. Et oui, mais Isabelle, vous savez, c'est alors c'est Einstein qui disait il faudrait être fou pour croire qu'en faisant plus de la même chose on va obtenir un changement. Vous avez fait plus de la même chose pour que les choses changent.
Alors, c'est l'échec, vous voyez, l'échec, c'est un peu dur, ça veut dire j'ai voulu être performante et j'ai échoué. On n'est pas là dans une histoire de performance, on est dans une histoire de vie. Vous avez pensé avec beaucoup, et vous pouvez être très tendre avec vous en vous disant ça, avec beaucoup d'humilité, que c'était ça qu'il y avait à faire. Et puis, il se trouve que ben, peut-être qu'il y a une autre voie possible. Vous allez faire quoi ? Continuer le chemin où vous risquez de tomber dans un ravin ? Ou prendre un chemin où peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, des fleurs, en tout cas moins de cailloux, et ce sera quand même bien plus pratique pour marcher. C'est juste ça ? Oui, ben, c'est juste ça, oui. Mais oui, c'est juste ça. Mais moi, je ne sais pas si... Et je vais pouvoir encore... Vous allez grandir, Isabelle. Non, pas accepter tout ça, son alcoolisme. C'est accepter que vous, vous puissiez changer. C'est pas changer l'autre. C'est vous que vous allez changer. Et en changeant, vous avez peut-être, je dis peut-être, et là, ça c'est pas donné d'avance, l'espoir de le faire changer. Mais le changement passe là par vous, Isabelle. C'est pour ça que je vous parle à la fois de vous informer et de vous faire aider. D'une certaine manière, vous avez presque été en miroir dans sa maladie à lui. Vous voyez, une forme de déni, une forme de croyance. Voilà, il y a un processus comme ça en miroir. Arrêtez ce processus-là. Et vous allez vous rencontrer, vous allez... C'est vous qui allez changer, qui allez reprendre goût à la vie. Oui. Mais ça me paraît très important, parce qu'il s'agit de vous sauver, vous, maintenant aussi. Bah oui, 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 parce que, bon, ça, j'en ai pris conscience, hein, je me suis quand même beaucoup perdue, parce que, du coup, j'ai écopé le bateau alors que ça prenait l'eau, hein, un peu de partout, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ouais, je me suis, ça va mieux parce que j'ai quand même pris un peu de recul, quand même, depuis... En me disant, voilà, il y a des choses, j'arrive à lâcher un petit peu et ça va mieux. Hein, c'est-à-dire que, bon, je pense quand même beaucoup plus à moi. Puis il y a des choses, voilà, je me dis, bon, bah voilà, c'est pas grave, je vais faire ce que j'ai envie. Et puis, bon, du coup, ça me fait du bien quand même. Oui. Ouais, ouais, ben, repensez à ce qu'on s'est dit là ce soir, oui. Isabelle. Oui. Et puis, voilà, essayez de suivre un peu les quelques pistes que je vous ai données. Comme dit Monica, vous êtes une battante, vous avez perdu juste un combat, mais pas la bataille. Et la bataille vous attend, rien n'est perdu et l'amour peut tout, dit Monica. Courage. Courage à vous, Isabelle. Merci beaucoup. Et soyez indulgente avec vous aussi. Ça me semble très important, ça. D'accord. Mmh. Je vous remercie beaucoup. Hein. Au revoir, Isabelle. Merci, au revoir. Bonne soirée. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Nelly. Bonsoir Sophie. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Bienvenue. Je vous écoute régulièrement et j'apprécie la façon dont vous traitez les soucis des uns et des autres. Merci. Peut-être le mien paraîtrait un petit peu léger par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Mais enfin, j'ai le cœur gros et je suis seule, donc ça me faisait plaisir d'avoir un conseil. Je ne sais pas trop par où commencer, puisque je ne suis pas toute jeune. J'ai une longue vie derrière moi, ce qui n'empêche que je m'interroge par rapport à certaines choses tout de même. Justement, quand vous dites je ne sais pas par où commencer, mais qu'est-ce qui, là, avant de nous appeler ces jours-ci, ce soir peut-être, tourne en boucle dans votre tête. J'ai eu un accrochage avec un de mes... J'ai 6 petits-enfants, deux filles qui en ont chacune 3, et celui-ci est l'aîné de ma fille aînée. J'ai dû partir, quitter la région parisienne pour des raisons de santé très graves de mon mari dont il est décédé. Et ce petit-fils est venu très régulièrement dans cette province en vacances avec moi, manifester le souhait de venir y travailler. Et comme c'était dans les possibilités, il a eu une mutation. Et donc voilà.
Donc, il se trouve un petit peu plus proche de moi que les autres. Il se trouve que là, il est marié, il a deux enfants, et il y a eu un clash assez violent il y a quelques mois. Avec son épouse, oui. Avec son épouse. Et il a eu un coup, il a un coup de foudre pour une autre personne. Oui. Mais ce qui me fait très mal, je reconnais, c'est qu'il n'est pas très gentil dans la façon dont les choses se passent. Avec son ex-femme ? Avec sa femme actuelle. Oui, enfin, femme actuelle, vous avez raison, oui. Il est passé par là. Elle est un petit peu, enfin même pas un petit peu, mais en grande détresse. Moi, j'essaie d'être donc loin de sa famille, bien évidemment. Moi, j'essaie d'être le plus présente possible. Je fais ce que je peux. Je suis très active, autonome, je conduis, enfin donc je prends les enfants quand il le faut. Ça ne me pose absolument aucun problème. Seulement, voilà ce qu'il s'est passé hier. Je suis allée voir cette jeune femme. Il y avait des rabais sur une marque de sous-vêtements. Donc, j'ai fait un plein pour les petites filles, etc. Je suis allée lui porter. Et puis, bien sûr, elle va pas bien. Et donc, elle me dit qu'elle souhaite confier les deux enfants à son frère, 8 jours. Donc, il y a une petite fille de 8 ans et une qui va avoir 2 ans au mois d'août. Oui. Cette petite fille de 2 ans a été au sein pendant 1 an chouchoutée. Elle n'a jamais quitté sa maman et rien du tout. Et elle doit partir dans la famille de son côté à elle avec une personne qu'elle ne connaît pas. Elle connaît pas bien. Elle connaît. Elle connaît pas. Attendez, je vous arrête, Nelly. Elle connaît pas bien son oncle. Alors, c'est son oncle. Non. Parce que, ils sont maintenant en province, donc. C'est plus loin. Oui, ils se connaissent pas bien. Contact avec d'accord. Les gens de d'accord. De et vous les connaissez bien, les deux enfants, 8 ans et 2 ans, vous. Vous comment les, vous les connaissez bien, ces deux petits-enfants. Je les connais, oui. Oui, d'accord. Je vais les avoir en week-end, d'accord. 3 jours la semaine prochaine. Ah oui, je les connais. Et vous occupez toute seule de ces enfants. Ouais. Elles ont la petite a l'habitude de me voir, etc. D'accord, d'accord. Et donc, vraiment, ça m'a profondément touchée de voir que cette petite allait être expédiée comme un pion, bien sûr, avec sa sœur, dans un univers qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas, et se retrouver avec 4 ou 5 autres enfants. Et donc, je trouvais que ça n'allait pas. Donc, pour toutes ces méthodes nouvelles, je dirais, d'éducation et de la façon dont on procède avec les enfants, quelquefois, ça me laisse pantoise, mais je reste à l'écart et je m'applique à ne rien dire. Mais là, finalement, j'ai dit ce que je pensais. Et donc, elle a dû communiquer avec mon petit-fils. C'est à peine arrivé à la maison, il m'a appelé, pas très gentiment, en me disant que la situation était suffisamment compliquée comme ça, et en gros que j'étais priée de ne pas vous mêler. Voilà. Et donc, je suis très peinée de tout cela. J'ai déjà vécu cet épisode de divorce, de séparation avec la maman de mon petit-fils. C'est la raison pour laquelle je l'ai eu beaucoup, lui et sa sœur. Et je me dis, c'est pas possible, ça recommence et ça recommence. Et je suis atterrée dans ma solitude. Je ne peux parler avec personne parce que ici,
j'avais des relations de vacances qui sont un petit peu distancées, les gens sont, les enfants ont grandi, etc. Et moi, je suis venue pour des raisons de santé de mon mari et j'avais pas le temps de faire autre chose que de m'occuper de lui. Oui. Donc, j'ai pas eu le temps de me, comment dirais-je, de me créer un univers amical. Oui, etc. C'est ça. Et là, en fait, comme je vous sens très inquiète, Nelly, vous êtes inquiète de plus avoir ces, en fait, c'est des arrière-petits-enfants pour vous, oui. hein, 8 ans et 2 oui. ans. Vous craignez que ce clash ait des conséquences et c'est ça qui vous inquiète. Je pense que oui, oui. Il peut peut-être y avoir des conséquences. Mais ce qui m'inquiète, c'est que on transplante cet enfant comme un pion. Oui. Alors moi j'ai. Oui. C'est un oui, je comprends Nelly. Mais je vais bien sûr, mais c'est sûrement pas un pion. J'ai juste envie de vous rassurer sur un point, Nelly. C'est que ce que je crois comprendre, mais vous m'arrêtez, c'est que ça va donc être pendant les vacances. Ils vont aller donc chez leur oncle. Et vous m'avez dit surtout un élément que je trouve assez positif et rassurant, c'est qu'il y aura plein d'autres enfants et que finalement, ces deux petits-enfants de 8 ans et 2 ans, si ils sont au milieu d'autres enfants à peu près du même âge, avec des adultes bienveillants, qui s'occupent bien d'eux, ils vont faire peut-être l'expérience de jolies vacances entre cousins et apprendre à se connaître, et ça peut être des jolis souvenirs. Et vous savez que quand des enfants sont entourés, ont de l'amour, ils sont adaptables. Et c'est pas un pion, puisqu'elle, j'imagine que la maman, si elle a ils ont fait ce choix de vacances et qu'il y a d'autres enfants autour d'eux, c'est justement pour en sécurité. Peut-être que vous avez plutôt peur qu'on vous les enlève, parce que d'habitude c'est peut-être vous qui les auriez eu, ces enfants, pendant mais les vacances. Je vais de toute façon les avoir un peu. Aussi. D'accord. Mais parce que ce qui m'inquiétait, c'est l'aîné. Il n'y a pas de souci, je sais. Oui, c'est la petite de 2 ans qui voilà. vous inquiète. Oui. La maman l'a allaitée pendant 1 an, on ne l'a jamais quittée. Oui. En fait, il n'y a pratiquement qu'à moi qu'elle a été confiée, excusez-moi. Oui. Non pas quand elle était très bébé, parce que oui. bien que c'était mon métier, on n'avait pas très confiance. Mmh. Bon, ça, soit. Mais je me dis que quand on confie des enfants, Sophie, maintenant, en garde, on fait des périodes d'adaptation. Oui, c'est vrai. C'est vrai que 2 ans, je comprends ce que vous voulez dire. On connaît les habitudes, oui. On sait si... Vous avez raison. Oui, j'entends votre point sur la petite de 2 ans. Mais la maman va sans doute les accompagner et rester un petit peu de temps. Non, je ne crois pas. La maman, en même temps, vous me dites qu'elle est en grande détresse. Ce que je trouve aussi assez rassurant et positif, c'est que c'est bien que la maman se sépare un peu des enfants si elle-même va pas bien. Le temps de retrouver un peu d'apaisement et de ressources. Donc si elle profite du moment des vacances pour reprendre un petit peu pied dans sa vie et s'éloigner un peu des enfants, ça... Voilà, c'est positif pour elle. Je comprends votre inquiétude sur la petite de 2 ans, mais vous connaissez bien aussi l'épouse de votre petit-fils, enfin l'ex-épouse. Elle prend pas à la légère cette décision. Elle a dû prendre une sécurité. Vous savez, Sophie, je crois que là, tout lui est tombé comme ça. Oui, oui. Et la... Elle est perdue. Elle est perdue, bien sûr. Ouais. Et donc, moi, je lui dis que si elle a besoin de quoi que ce soit, enfin, bon, je suis mais, prête. Mais voyez, en même temps, vous lui avez dit quelque chose et elle est allée s'en plaindre, hein, manifestement, à son, oui, à son mari. Avec ça qui... me choque. Mais, alors, ce qui prouve aussi, et ça, c'est peut-être quelque chose à avoir à l'esprit pour vous, une certaine prudence, pour vous, une certaine réserve, c'est vrai. Vous trouvez que c'est pas une bonne chose, mais à un moment donné, pour vous, vous ne pouvez pas avoir
accès ou vous mêler de certains choix. Mais c'est pour ça, je pense que j'ai été très maladroite. Bon, c'est des choses qui arrivent. Peut-être que vous pourriez faire un pas vers elle en le lui disant. Parce que quand on réalise qu'on a été un peu maladroit dans la vie, et ça nous arrive à tous à un moment ou un autre, ce qui est très réparateur ou très sain pour une relation, c'est peut-être de lui passer un petit coup de fil en lui disant simplement j'ai voulu bien faire et quelquefois quand on veut bien faire, on fait mal ou en tout cas on est maladroit. Je me suis inquiétée et c'était juste mon inquiétude. Je suis désolée si j'ai pesé. Je sais que la situation est difficile et je suis là. Si tu as, si vous, je ne sais pas si vous voyez. Vous savez que je suis là pour vous si vous avez besoin et que je serai heureuse de m'occuper des enfants. Et pardonnez-moi si pour vous c'était un manque de confiance que j'ai eu en vous, si vous l'avez interprété comme ça, j'en suis désolée, je m'en rends compte. Alors effectivement, je ne sais pas, je vous appelais hier soir, puisque ça s'est passé hier. Oui. Et la communication ne passait pas, je ne sais pas, sur mon écran, il y avait un secret, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc finalement, j'ai assez mal dormi, ce matin, dans la matinée, je l'ai appelé. Ah, très bien, et alors, comment s'est passé ce coaching? Je lui ai dit que j'avais eu un retour par son époux, et qu'elle n'avait pas l'air de savoir... Bon, qu'il m'avait appelé, que effectivement j'avais été maladroite et que je ne devais pas intervenir dans leurs décisions et puis voilà. Et comment elle l'a pris? Comment vous avez été accueillie? Elle est perdue. Très difficile à ressentir en et ce puis. Ouais. Avec moi, je suis du côté famille paternelle, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile, rien Nelly. N'est facile. Oui. Donc j'ai eu ma fille aujourd'hui, et justement, comme je vous en avais pas eu, et que ça me... j'étais quand même mal à l'aise de tout ça, je me suis dit que c'était peut-être pas le moment de faire une erreur et ainsi de suite. Et ma fille me dit, écoute, je pense que tu pouvais te permettre de dire quelque chose parce que tu es très présente pour eux. Oui. Ils peuvent compter sur toi, alors c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Et puis il y a Brigitte qui vous dit la petite fille sera avec son grand frère, c'est vrai, et on s'occupera avec sa sœur, donc, et on s'occupera certainement bien d'elle puisqu'on l'a invitée. Sa maman doit avoir besoin de se retrouver sans ses enfants un moment. Essayez d'avoir confiance, dit Brigitte. Oui, je crois que le sujet pour vous, Nelly, il est là. C'est de lâcher un peu. Quelquefois, vous savez, dans la vie, on veut trop bien faire et ça nous entraîne vers trop de soucis pour l'autre. Donc, vous êtes juste. J'ai déjà beaucoup aimé. Oui, voilà. Et donc, vous êtes. Elle a beaucoup de chance parce que vous êtes là, vous êtes loyale envers elle, envers ce couple, envers leur histoire, envers ses petits-enfants. Mais c'est déjà formidable, vous êtes juste et bien là avec eux. Donc tentez-vous de vous rassurer. Moi, je veux dire, Sophie, et ça je leur ai dit, je ne suis pas là pour aider et pour juger. Oui, c'est bien, Nelly. Je suis pas là pour aider, pour leur tendre la main. Je ne juge rien. Des sentiments, ça ne se commande pas. Oui. Nelly, je ne sais pas. Moi, on arrive à la fin de l'émission. Nelly, on arrive à la fin de l'émission, mais je pense que vous avez trouvé les réponses et vous me semblez très juste par rapport à eux. Donc, et ça, c'est formidable. Ils ont de la chance de vous avoir. Je vous embrasse, Nelly. Bonne nuit à vous. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Un très beau dimanche.